Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je prends un peu d'avance parce qu'en fait, je tourne cet épisode donc en même temps que l'épisode d'avant, donc l'épisode là où je récupère toutes les pièces, toutes les amulettes, tout ça, parce que je suis obligé de continuer dans l'histoire pour pouvoir faire le défi par exemple qui donne 10 amulettes et aller dans la ville d'en bas là pour récupérer les amulettes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les missions maintenant. Et puis comme ça, eh ben, je pourrais continuer l'autre épisode, donc celui d'avant, pour avoir les amulettes, tout ça. Donc c'est parti, on va sur les missions. Terminé. Pour Comme commencer ça au une moins. mission, active la Voilà, balise de donc à la mission. soupe, veux-tu commencer cette mission? Bien entendu. Et donc du coup, on va se faire, putain, les missions. Et comme ça, on va se faire plaisir. Tout simplement. Donc un petit chargement assez long qui fait chier, voilà. Ouais. Tu peux être sur un seul collant, ça on s'en fout. Ah ouais, non mais en fait il est vraiment long. Ouais. Très très chiant. Ouais, c'est parti. Alors la soupe est épouvantable. Utilise les épices pour l'améliorer. C'est parti, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais tomber le fromage qui est sur l'étagère du haut dans le seau. Accomplis ta mission et ne laisse pas les chefs te voir parce que sinon t'es dans la merde, ça c'est À clair. vue de nez, c'est la cachette idéale pour un petit rat comme toi. Alors ceci est un trou aux cachettes, Rémi on s'en bat les couilles, ok. C'est mon cul, j'ai pas le temps de lire. Est-ce que je peux y aller au moins? Je sais que tu as faim, petit gars, mais peux-tu aider ce chef à faire un Ah, potage? Qui Rémi sait, trouve le tu bon pourras peut-être le ingrédient goûter, ni vu ni connu. pour Ça, améliorer c'est un cette bon plan. soupe. Ok, je m'en fous. Moi j'aimerais bien être dedans quand même. Skinner va me tuer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais comment je vais là-haut moi? Comme ça? Ah ok. Donc voilà. Oh putain. Ouais bon, on va Si pas tu non fais plus se faire sonner repérer. l'auditeur pour distraire Putain, Linguini, arrête là. tu auras le temps d'ajouter les bons ingrédients. Ah ouais, faut que Fais j'aille ça le. pour la colonie. Une fois que tu as été repéré, la boussole t'indique l'emplacement de l'abri le plus proche. Trouve-en Il un, est où? vite! Mais je peux pas aller dans le trou moi. Ouh! Genre il me Être voit cuistot, quoi. c'est pas de la tarte. Génial! Oh, mais oui, mon Dora, je peux pas utiliser. Ah, Je mais sais merde, que mais tu non, as c'est faim, juste des petit papiers gars, pour savoir ce qu'il mais faut faire. peux-tu aider ce chef à faire un potage? Qui sait, Putain. tu pourras peut-être le goûter, ni vu ni connu. Hop, ni vu ni Ça, connu. c'est un bon plan. Bah ouais, carrément. Mais ça sert à quoi d'aller là-bas? Je sais vraiment pas. Petite. Ouais, youpi. Ouais, donc si vous voulez, vous pouvez avoir un succès en faisant ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Une fois que tu as été repéré, la boussole Oui, c'est bon, t'indique je sais, je l'emplacement sais. de l'abri le plus Vite, vite, proche. vite, vite, les gens, Trouve-en un, vite. vite! Ouais. Bim. Oh, mais la méchanceté! Je ne sais même pas faire Pouah, vous tourner avez vu mon comme dos. il m'a balancé le. Non, mais truc de fou, quoi. Merde, 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 non, non. Skinner va me tuer! Mais tu es de quoi? Ah oui. C'est vrai. Mais je mets où ça? Si tu fais sonner le minuteur pour distraire Linguini, Mais ça j'y mets tu où? auras le temps d'ajouter les bons ingrédients. Et ouais mais je sais pas où il faut y mettre moi, aide-moi quoi. Il va me repérer tout à l'heure. Je ne sais même pas faire bouillir de l'eau. Pourquoi il y a tout qui revient là? Je suis obligé de tout recommencer. Une fois que tu as été repéré, la Oui c'est bon, boussole j'ai t'indique compris, j'ai l'emplacement de compris. l'abri le plus proche. Trouve-en Merci. un, vite! Eh bah fais vite, plus vite, allez. Encore, encore. Mais on s'en fout de l'autre. C'est un bouffon. Pas compris ça? Hop, allez, on court. Hop! Putain, va pas trop vite. Allez, allez. Tu vas y arriver, je compte sur toi. Hop. Allez, prends-le. Skinner va me tuer! Voilà, vite, 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 vite. Allez, on s'en fout, prends ton ingrédient, fais pas chier. Tu sais que tu peux faire ce potage. Oui, je sais, Alors, je suis en qu'est-ce train que de le tu attends? faire, arrête de me faire chier. Allez, c'est parti. On prend celui-là, voilà. Hop. Putain, compliqué tout ça. Ouais, donc on met ça là-dedans. Voilà, ça c'est fait, on va vite faire le lait. Vite, trouve un endroit où Ouais, te bah d'abord on cacher. va se cacher, c'est parti. Hop. Oh, dis, t'arrêtes de balancer des couteaux.
Quelle méchanceté, mais c'est un truc de fou. Bon, allez, hop, on fait ça. Moi, je vous fous, voilà, donc, sinon, il y a quoi d'autre à faire? Le fromage, il est pas fait. Je suis obligé de le refaire. Allez, allez. C'est bon, t'as coupé, maintenant tu vas chercher tes ingrédients pour en couper d'autres. Mais il est sérieux là? Allez. C'est parti. Si Putain, tu mais ça fais sonner colle, le c'est un truc de minuteur fou. pour distraire Attends, oh, Linguini, ils se tu auras plaignent le qu'il y a un temps rat, d'ajouter les mais bons t'as vu ingrédients. l'état de l'étagère, tu sais? Non, mais franchement. Oh, tu vas pas te foutre de ma gueule longtemps. Voilà. Le lait, ça fait Trouve un plaisir. moyen de verser les ingrédients dans la marmite. C'est bon? Eh ben voilà! Nickel! Bravo, bravo, bah ouais, heureusement, bravo. Donc en tout, je suis à 100 amulettes. Et bah dis. Voilà, regardez. Mission, la ville lumière accomplie. Non, laissez tomber, c'est pas ça du tout. Donc du coup. étape mini-jeu terminée, ça on s'en fout pour l'instant. Mission à la soupe accomplie, tout ça, c'est parti. Maintenant, on va faire une autre mission qui est je ne sais pas où, mais on va la faire quand même. C'est parti. Salut tout le monde, donc du coup, je vais faire la mission là. Cet objet Donc, flottant est pour une pouvoir valise de dégager le chien mission. là-bas. Pratique. Donc, c'est parti, on va faire cette mission. Donc, ça, je savais déjà, ça sert à rien de me le dire. Du coup, on va dégager ce chien parce qu'il me saoule, tout simplement. Et puis, parce qu'il faut faire les missions aussi. Oh là Voilà là, donc. tu as commencé une mission. Regarde, la boussole te dit où aller pour remplir un objectif. Tu D'accord, ok. dois éloigner le chien de la cour. Ouais, donc je vais l'éloigner, c'est parti. Donc, bon, ça sert à rien d'aller là-bas. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Ok, donc il faut que j'aille là-bas. Donc, on va essayer de se faire ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin du chat. Toi, tu dégages, voilà. Donc, comment on va faire pour éloigner ce chien? D'accord, déjà, je vois un nouveau carton. Donc, à mon avis, il va falloir utiliser le carton. Ou alors, peut-être pas pour le chien, mais pour quelque chose, à mon avis. Tu as besoin de safran. Tu peux en trouver au marché. Tu es prêt, mon gaillard? Vous avez dit... Est-ce que c'est des chiens? vraiment... Ces chiens ont l'air rapides et agiles, mon gaillard. Oula. Mieux vaut ne pas se faire prendre. Ouais, mais il fait comment dans Des ce cas? chiens. Voilà des animaux qui savent protéger leur territoire. Ah ouais, attends, je sais. Trouve quelque chose pour effrayer le Je vais... chien, vite! Ah, effrayer le chien? Oh là là, je vais faire comment moi? Trouve quelque chose pour Voici la effrayer le porte chien, du vide. restaurant. Mais tu Vite. trouves! Ah, mais comment on fait dans ce Mais cas, tu sais putain de quoi? ta mère? Pas de la tarte. Ah, c'est pas possible ça. Oh là là! Tu as commencé une mission! Mais Regarde, non. la boussole te dit où aller pour remplir un objectif. Et franchement, mais Tu te dois fous pas de ma éloigner le gueule. chien de la cour. Ah, là, tu as commencé une mission. Oh là 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 là. Non mais stoppez. Bon, comment je fais pour aller là-haut moi? Trouve quelque chose pour effrayer le chien, vite! Mais j'ai compris. Tu m'as dit je sais pas combien de fois, mais tu veux que je prenne quoi? Y a rien de transportable ici. Rien du tout. Ouh! Être cuistot, c'est pas de la tarte. Ouais, il n'y a vraiment rien de transportable. Surtout que là, il y a un piment, mais il est où? Il n'y a pas de piment ici. Comment est-ce que je vais faire ça? Putain. Trouve quelque chose pour effrayer le chien, vite! Il a 2 secondes. Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu. Ouais, donc en fait, merde, putain. Voilà, donc en fait, le truc, c'est qu'il faut aller sur la voiture là-bas et avec le parapluie. Je pensais pas que le fait d'aller sur la voiture pouvait faire quelque chose, donc du coup, j'y avais pas pensé. J'avais pensé aller avec le Si tu veux parapluie là-bas. glisser,
Essaie de ramasser cet objet, puis de sauter. Voilà. Donc c'est parti. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on a un succès. Trouve quelque chose pour effrayer le chien. Tu as réussi à descendre du toit de la voiture pour poser la patte. Ok, d'accord. Vite. Seulement là, j'ai rien du tout posé. Je suis pas allé dans la ville. Ben là, j'ai rien fait là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, c'est le coup où tu te fais chier et puis au final, t'arrives pas à trouver. T'es obligé de tout recommencer après. Ouais, bon, bah, je vais essayer ça, mais ça m'étonnerait que ça lui fasse peur, quoi. Voici la porte du restaurant. Mais tu dois trouver un moyen d'effrayer le chien. Putain. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Bon, à mon avis, je pense que si, on va prendre un parapluie, un truc dans le genre, et on va descendre. Enfin, je sais... Ah oui, voilà, bah voilà. Il y a un nouveau truc, un parapluie, tout simplement. On fait tomber... Enfin, un parapluie. Un vase, il y a un vase, on fait tomber. Et on réussit la mission. Ah, j'ai eu peur. Trouve quelque chose pour effrayer le chien, vite. Ah oui, là, il a très peur. Enfin bon, on a réussi la mission, c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça, ouais. 2 missions sur 5, les gars. Ah, presque toutes les missions. Alors c'est parti, on va faire cette mission là, juste là, hop, on va faire celle-là, et la lumière fut, donc on va récupérer des lumières. si c'est ça de toute façon, on va récupérer des lumières pour aider notre chez-soi. Voilà. Tu dois récupérer les ampoules protégées par les papillons de nuit, essayer de les éloigner. Oui, je vais. Les papillons ne font pas le poids contre un rat comme moi. Donc, du coup, on va faire ça. Donc, on va aller là-bas. Donc, il y en a 3 à récupérer en fait. Donc, c'est pas très compliqué normalement. Oh putain, je dis. Plus moi. Voilà. Voilà, donc normalement, il y en a une là-haut. Hop là. Allez, on court, on court, on court. Il y a sûrement quelque chose ici que tu peux utiliser pour éloigner les papillons de la lumière. Éloigner les papillons et prendre les ampoules. Pigez. Pour un simple effet de mon imagination, vous en savez des choses. Ah, d'accord, donc je suis obligé. C'est pas moi qui sais tout ça, petit gars. Tu es simplement plus observateur sérieux, que tu ne le penses. Bon, c'est parti. N'oublie pas, tu dois trouver 3 ampoules pour la colonie. C'est bon, j'ai compris, lâche-moi. Donc du coup... on va utiliser ça là. Putain, mais comment on prend? Et ça... Putain. On peut pas dans ce cas. Ah mais si, c'est bon, ils prennent. Ok. Bon, no stress, pas de soucis. Donc du coup, hop, on va vite prendre notre... Il y a sûrement quelque chose ici que tu peux utiliser pour éloigner les papillons. Mais c'est déjà fait, tu vois pas qu'ils sont partis là? Éloigner les papillons et prendre les ampoules. Pour la dévisser en fait. Pigé. Oh merde, merde. Pour un simple effet de mon imagination, vous en savez des choses. Non, mais... Oh. Oh, il n'y a pas un truc, je recommence là où je pense. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. On y va le plus vite possible. Il y a sûrement quelque chose ici que tu peux utiliser pour éloigner les papillons de la lumière. Voilà. Aïe. Ça fait mal, vous savez. Donc du coup, après, on va où? Non, il faut aller là-haut. Oh non, il faut aller là-haut, les gars. Bon. D'abord, on va passer par le camion. Hop, on y va, on y va. Ouais, c'est chaud. Putain. N'oublie pas, tu dois trouver 3 ampoules pour la colonie. Je sais déjà ça, ok? Bon. Et donc du coup, on court. Et on va direction... Le camion, tout simplement. Pour prendre une deuxième ampoule. Qui est relativement... Il
facile à avoir. Il y a sûrement quelque chose ici que tu peux utiliser pour éloigner les papillons de la lumière. Oui, bah une lumière tout simplement. Ouais, on va peut-être pas trop rester. Mais... Non. Non. Oh mais franchement... C'est quoi ce jeu de merde? Allez, bien sûr je me prends. Les papillons... Mais oh, c'est pas possible là, putain, c'est quoi ce jeu? Il y a sûrement quelque chose ici que tu peux utiliser pour éloigner les papillons de la lumière ou le protéger par les papillons de nuit. Tu devrais essayer de les éloigner. Tais-toi. Les papillons ne font pas le poids contre un rat comme moi. Mais ouais, là, c'est bon, c'est parce qu'ils te touchent que c'est bon, quoi. Tu vas pas pleurer parce que les papillons ils te touchent, putain. Oh. Allez. Non. Voilà, putain. Arrête de sauter. Voilà. Et franchement, des fois, oh les jeux, des fois, ils sont chiants. Ici que tu peux utiliser pour éloigner les papillons de la lumière. Non, mais c'est déjà fait. Éloigner les papillons et prendre les ampoules. Pigez. Pour un simple effet de mon imagination, vous en savez des choses. Ouais, bah oui. C'est un jeu. C'est pas moi qui sais tout ça, petit gars. Tu es simplement plus observateur que tu ne le penses. Ouais, alors sans toi, t'es vraiment un fantôme. Peut-être possible aussi. N'oublie pas, tu dois trouver 3 ampoules pour la colonie. 3 ampoules. Mais il m'en reste plus qu'une à trouver. Hop 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 hop. Ah et voilà. Bon, hop. Non, attention. On se calme, ok. Hop, 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 hop. Chut. De conneries. Du coup, on doit aller là-bas. On va y aller le plus vite possible. C'est parti. Voilà. Donc, on doit aller tout là-haut, là. C'est assez chiant. Souviens-toi, petit gars, la colonie, oui. Compte sur toi. J'ai compris que la colonie comptait sur moi. Oui, oui. Ramasse cet objet et saute pour glisser. Allez, c'est parti, oui. Voilà, donc c'est pas bien compliqué. Hop, on fait ça. Eh bien, mon gaillard, on a la mémoire qui flanche. Comment ça? Ah, mais j'ai... Pourtant, je suis déjà venu ici. Ah. Objet. D'accord. Puis saute pour glisser. Hop, c'est parti. Hop. Donc là, il faut vraiment se concentrer. Hop. Essayez de pas avancer en même temps. Il y a quelque chose ici que tu peux utiliser pour éloigner les papillons de la lumière. Et voilà. Hop, et on a la dernière ampoule. C'est un pay. Paf, terminé. Comme il dit, et paf, terminé. Putain. Ça aurait été pas très compliqué. Du coup, il nous reste plus que 2 missions, les gars, et on a fini cet endroit. Voilà. Donc c'est parti, on va faire les 2 dernières missions. Comme ça, ça sera fait. Et puis voilà, tout simplement. Ouais, donc du coup, on va faire cette mission. Donc on va... Hop. Voilà, on va faire cette mission, donc porter quelque chose, non, ok. Et donc, merde, putain, on va faire cette mission, normalement, je crois que ça consiste à prendre une pièce et la mettre dans je sais plus trop quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, là, donc on met la pièce dans le trou, là, sur le toit. Pour la descendre en bas. J'espère que tu n'as pas le vertige. Voilà, donc c'est parti. Le vertige ? Jamais de la vie. Donc on va faire cette mission un peu tranquillement, voilà, hop, 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 hop. Putain, voilà, ça commence bien, les gars, ça commence bien. Oh, ça commence bien. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réessayer. Bon, non, ton père a dit que la pièce était dans le nid. Avance, sur avance, le toit. Avance. Mais putain, t'avances, oui. Ce jeu est très très chiant. C'est ouais, c'est un truc de fou. Bon, ton père a dit que la pièce était dans le nid, sur le toit. J'espère que tu n'as pas le vertige. Moi, le vertige? Allez, allez. Putain, et franchement, cette partie est vraiment très chiante.
sur la corde comme ça, avec la vue. Voilà, c'est super chiant. Oh, mais. Mais vous êtes sérieux? Être cuistot, c'est pas de la tarte. Ah, c'est bien ça. Bon, ton père a dit que la pièce était dans le nid, sur le toit. Allez, c'est parti. J'espère que tu n'as pas le vertige. Mais non, j'ai pas bon, le vertige, t'inquiète. La hauteur, ça me connaît. Je maîtrise. Voilà. Donc, du coup, on va faire tout ça. Souviens-toi, on va monter là-haut. Tu dois plutôt utiliser la rate aux balles pour passer au-dessus des zones dangereuses. Ah, ok, d'accord. Allez, c'est parti. Donc, on utilise la balle pour aller là-haut, les gars. Hop, on se dépêche. Bim, on casse tout. Non, non. Putain. Eh, Dio. Alors, par contre, je sais pas comment on fait tomber ça là-bas. Merde. Je vais avoir comme une merde. Alors par contre, oui, normalement. Arrête de me faire. Bon. Ah ok, d'accord. Dit que la pièce était dans le nid. Attention au tuyau. Putain, ça va, on gagne pas mal de succès. Sur le toit. J'espère que tu n'as pas le vertige. Attention. C'est bon. Hop, la hop, hauteur, hop, hop. Ça me connaît. Je maîtrise. Youpi. Bon alors, hop, on va tu vite là-bas, donc du coup, on va du vite mettre cette pièce. En regardant par la lucarne. J'aime les oh, choses. Je suis chou. En fait, j'adore ça. Je réussirai la prochaine fois. Mais c'est quoi ce jeu de merde? J'appuie sur B, c'est pas possible. Oh, oh mais franchement, mais apprenez à coder des jeux. Eh, c'est super, hein. Vous allez à l'école, vous verrez, ils vous, vous apprendent à coder des jeux. Ah ouais, non mais. Tu peux voir fou. L'intérieur du restaurant. Putain. En regardant en plus, par la lucarne. Normalement, ça coûte j'aime pas très les cher. Bonnes choses. En fait, et même peut-être des fois, ça peut être gratuit. Voilà. Putain. Franchement. Bon ouais, c'est parti, donc du coup on passe par là. Normal, de toute façon on peut passer que par là. On va monter là-haut. Voilà. Non, fais gaffe toi. Non, touche pas. Voilà. Aïe, ouh, ouh, putain. Oh dis, mais à chaque fois je me fail ici, c'est un truc de fou là. Voilà, on monte. Toi tu failles pas. Attention. Ah donc on va là. Attention. Oh, putain. Allez, allez. Voilà. Donc là, on monte là-haut. Et donc, du coup, on réalise ce qu'il y a à faire. Voilà, donc on fait ça. Enfantin, pas vrai. Elle tombe en bas. Donc on tombe ici, donc on doit l'emmener dans la gouttière. C'est parti, on va faire ça le plus vite possible. Voilà, voilà. Sans se faire toucher par ces trucs, parce que sinon c'est la merde. Et voilà, ça c'est fait. Donc voilà, donc on va le mettre là-dedans. Hop, voilà, comme ça. Donc du coup, voilà, le voilà. Et puis après, elle descend en bas, mais elle est coincée, malheureusement. Pif, paf, terminé. Voilà, donc ça fait déjà 4 missions de terminer. Est-ce que nous avons gagné une amulette? Est-ce que nous avons gagné une amulette? Putain, faites que oui. Et non, nous avons pas gagné d'amulette. Merde. Bon, bah ça fait pas gagner d'amulette du coup. Donc c'est la merde. Donc je sais pas comment récupérer cette dernière amulette. C'est très chiant. Ah oui. Non? Génial. Ah non, je croyais que c'était un succès, mais non. Ah dommage, pourtant il y avait un succès comme ça, je crois. Donc du coup, il faut qu'on aille où là? Ah merde, ouais, il faut qu'on trouve où il faut aller. Peut-être qu'un piment explosif pourrait nous aider, qu'en dis-tu? Okay. Et un caniveau propre. Il faut que j'aille où? Ouais, il faut que j'aille là-bas. Ok, bah par contre, lui, il va me saouler.
Allez, prends-le. Voilà. Hop. Génial. Ça c'est fait. Ah si. Tu as attrapé le voleur à l'aide de la bombe de piment dans la ville. D'accord, ok. Ouais, donc en fait, c'est juste que ça n'avait pas bien fonctionné. Mais il me semblait bien qu'il y avait un succès comme ça. Donc j'avais raison. Et c'est parti. On va les mettre. Ah oui. Ça prend, j'avais oublié. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui, on peut passer par là. Si, si, on peut. Mais. Ah, c'est pas possible ce jeu! Non, et en plus ça revient, mais. Ton objectif est de faire vous voyez à quel point, putain, c'est juste, c'est chiant. Putain, franchement, bon, ça sert à quoi, voilà. Mais c'est bien parce que les autres comptent sur moi. Tout. Putain, génial. On se fait chier à retaper, voilà. Putain, mais ça sert strictement à rien de faire ça, là. Voilà, regarde, voilà, t'es content. On est obligé de le retaper, de tous retaper. Ça sert vachement à quelque chose, quoi. On est obligé d'attendre 2 ans que le machin spawn. Enfin bon, génial. Ce jeu. Enfin, ce genre de jeu m'énerve beaucoup. Parce que c'est beaucoup de. En fait, les jeux durent longtemps parce que c'est toujours. Tu repasses sur le même endroit, tu refais les mêmes choses. Et moi, comme un con, j'active. Putain, mais putain. Allez, hop. Et vas-y, l'autre qui vient là. Bah ouais, au calme. Pas de soucis. Bon, on passe par là. Pour pas les risques. Oh là là, ça m'a saoulé. Putain, mais tu prends aucun plaisir à faire des jeux de merde comme ça. Ah oui, la blague. Ça, c'est la petite blague comme ça, au calme. Allez, bon, on va mettre ça là. Hop. Ah ouais, mais il faut tous les faire quoi. Ah, mais il y a encore un nouveau écureuil. Et c'est normal, voilà. Mais en fait, il y en a un qui spawn à chaque fois. Histoire de bien perdre du temps. Enfin, tu vois, tu au niveau, enfin, c'est pas, tu fais tout d'un coup, non. C'est d'abord tu passes par là, puis après, enfin, c'est assez chiant. Et vite, vite, vite. Putain, on a eu chaud. Viens, viens là vite. Ouh, on a eu chaud. Là, plus que 2 les gars. Putain, les autres, je pouvais pas les faire. Quoique si, si, je pouvais les faire. Les gars. Ouais, le plus vite possible. Oh, c'est bon, tu vas pas pleurer parce que t'es tombé par terre. Hop là, donc il nous en reste plus qu'une, c'est parti, ça va être chiant. Je sais pas, c'est zone par zone. Non, lui, il fait tout en même temps, lui. Hein. Vas-y, tu commences là, tu fais là, ta 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 ta. Tu fais la fin du jeu avant de. Enfin bon, c'est tant mieux. Non, mais je sais pas, il y a un problème quand même, tu me casses pas les couilles. Allez, casse-moi ça. Voilà, enfin, après un bon moment quand même, on a enfin réussi à casser ces putains de caisses et à finir la dernière mission de la ville lumière. Donc, du coup, il me faut que je trouve une amulette. Et que je sais pas où aller. Peut-être que là on va l'avoir gagné. Attention, est-ce qu'on l'a gagné? Suspense, ça s'en comble. Donc là on a un petit chargement à la con. Alors. Ils sont longs ce chargement. Et là, on revient sur la ville lumière. Putain. Pour voir ce qu'on a fait des ampoules. Voilà, ça m'énerve. J'ai pas la dernière. Vous voyez comme c'est chiant, les gens. Grâce aux ampoules, l'égout est devenu la ville lumière. Ouais, je m'en fous. Du coup, bah, j'ai pas. J'ai pas. J'ai que 99 pièces. Et j'ai pas la centième. Je sais pas comment faire. Voilà, donc du coup bah moi je vous dis ciao. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé aussi. Pour un morceau de fromage. Et puis du coup ciao, ciao tout le monde.